Bonsoir à tous. Comme chaque année, on a pris l'habitude, quelques jours, quelques semaines après le Téléthon, de vous remercier par un petit peu d'amitié, dont on est vraiment heureux de vous faire partager. Avant d'annoncer le montant du Téléthon cette année et tous les participants, on tenait une fois de plus à vous remercier. Le Téléthon, c'est, je le dis notamment au repas de bon accueil, mais c'est quelque chose effectivement qui revient tous les ans, qui peut entraîner presque une certaine lassitude quand même. Hein. Les chiffres nationaux peuvent malheureusement presque le refléter un petit peu. On a tendance à voir ça d'assez loin, voir que c'est pour des maladies rares, pour des maladies génétiques. Mais voilà, pas oublier que ça permet de trouver des traitements qui, même si l'indication première est la maladie génétique, peut ensuite secondairement servir à des maladies qui peuvent toucher bien plus de monde. Souvent en cherchant, on ne trouve pas que ce qu'on cherche, mais on trouve aussi d'autres choses. Et toute la recherche qui est faite en ce sens, elle est permise grâce aux petits euros qui sont collectés par vos petites et grandes mains. Tout au long du premier et du deuxième week-end cette année de décembre. Et c'est vrai que des fois on entend, on n'a fait que ce montant-là, mais faut pas le voir comme ça. C'est peut-être cet euro-là qui permettra aux chercheurs après de se lancer dans leur secteur et du coup de finaliser leur budget et possiblement de trouver la solution pour différentes maladies. Attendez tout à l'heure, dès qu'il y a eu des solutions trouvées pour l'hémophilie. C'est plein de petites choses qui au fond permettent, au bout de maintenant de plus de 30 ans de Téléthon, d'avoir fait des réelles avancées. Alors du coup cette année, on va quand même nommer tous les participants parce que c'est vrai que vous étiez nombreux. On a compté plus d'une centaine de bénévoles quand même sur Beaune, donc c'est vraiment un des événements de l'année qui arrive à regrouper le plus de bénévoles tout au long du week-end. On a tendance à parler aussi des 24 heures, à parler du semi-marathon, mais en nombre de bénévoles d'associations, on est plus d'une centaine sur le week-end du Téléthon. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, on avait difficilement réussi à mobiliser 15-20 personnes. Et je vois des gens qui viennent, qui reviennent, qui s'excusent vraiment quand elles ne peuvent pas venir. Et puis aussi, ce qu'on a fait cette année, on a fait des choses mieux que l'an dernier, on a fait des choses moins bien que l'an prochain. Je sais qu'il y aura toujours des petits couacs, ça ne pourra pas être parfait, mais ça permet de finaliser, de dire, tiens, si on faisait, c'est plus ça qui a marché cette année plutôt qu'autre chose. Donc voilà, ça veut dire que l'année prochaine, vous serez obligés de re-signer tous pour pouvoir ne faire que mieux que cette année. Et puis voilà, et essayer de rebattre encore le montant qui était plutôt le montant de l'année dernière. Cette année, on fait un petit peu moins, mais un peu à l'image nationale. On a 15-20% de baisse quasiment de dons d'un point de vue national. Donc cette année, on remercie d'ailleurs, comme chaque année, le Scrabble Benoît, qui a ouvert, qui ne pouvait pas être là le week-end, puisque le week-end était décalé cette année du Téléthon, et qui a participé en faisant des petits déjeuners une semaine avant et des apéritifs sous les halles. Le repas du vendredi soir de bon accueil avec. Est-ce que j'annonce le montant à chaque fois? Ça intéresse? Oui. Oh non, c'est pas une compétition non plus. Donc, non, chacun le sait, oui, voilà. Alors, bon accueil et son repas. Mélie Mélodie qui a été chantée dans la galerie de Carrefour, qui a beaucoup plu d'ailleurs aussi au directeur de chez Carrefour, qui nous remercie. La balle au bon, l'escrime, le sac à dos, la retraite sportive, le club de lutte, l'ivresse de Beauvert, les Débils qui sont venus participer sous les halles le samedi, les chevronnés, œil de paix, la classe du pays baudois du côté du quartier Saint-Jacques, pochette surprise également qui a fait une représentation qui a très bien marché cette année, le boxing club baudois qui a également fait un don, Animaction, et puis le Lions Club et l'UCB, l'Union des commerçants qui nous a aussi mis des petites boîtes dans les différents commerces au moment. J'espère vous dire. Et il reste qu'on a. Voilà, ce qui. Oui, merci. Et voilà. Donc, du coup, ce qui fait cette année, une somme globale estimée à quelques dizaines d'euros près de 4 850 euros. Voilà. 4 500 euros.